Malgré l'été qui tire à sa fin, il y a plusieurs activités à faire, plein d'endroits à découvrir. Entre autres, pour un souper entre amis ou en famille vraiment original, je vous invite à essayer la table champêtre du ranch panoramique de Wakefield. Le menu est composé entièrement de bisons et c'est d'ailleurs leur vocation première, en faire l'élevage. On vous présente le propriétaire, Philippe Duguay. Philippe, au ranch panoramique, vous faites l'élevage de bisons. C'est quoi la particularité d'élever des bisons comparativement, mettons, à une vache? C'est pas le même modèle d'élevage du tout par rapport au l'élevage dans le laitier où il y a des bâtiments, tout ça. C'est des animaux qui peuvent courir 62 km à l'heure et ont une capacité de sauter 6 pieds en hauteur aussi. Donc, les installations, c'est pas une clôture à vache qui va les retenir. Ça prend des clôtures assez hautes. Puis aussi, c'est des animaux qui vivent 365 jours par année à l'extérieur dehors. Actuellement, ils sont en train de perdre leur laine hivernale. Puis c'est une laine qui est 4 fois plus chaude que celle du mouton. Donc c'est vraiment un animal qui est adapté à nos conditions, même avec les changements climatiques, ça peut aller à du plus ou moins 30 sans problème. Mais si vous ne faites pas la tonte, comment vous faites pour récupérer la laine? La laine, il faut la ramasser si elle tombe par terre. Au printemps, la laine va tomber. Puis vers la fin de l'été, elle va se remettre à repousser sur l'animal pour la période hivernale qui s'en vient. La viande de bison, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très, très répandu si on compare au porc ou au poulet. C'est quoi les caractéristiques comparativement à d'autres types de viande? Bien, c'est une viande qui, au départ, est beaucoup plus maigre. On parle de certaines coupes de viande qui vont avoir à peu près 2,5 % de gras. Donc, on peut pratiquement dire que c'est un animal qui est, une viande qui est faible en gras. La viande hachée, elle va être plutôt alentour de 5 %. Donner un comparatif, l'extra-maigre dans le bœuf est classé quand elle est au niveau de 10 % de gras. Donc, c'est une viande qui est beaucoup plus saine au niveau de l'alimentation. Plus elle est très riche en fer, c'est une viande qui est rouge foncé. Donc, un peu plus de fer que le bœuf. Et j'ai même déjà entendu que c'était moins calorique que le poulet. Oui, parce que les calories sont reliées avec le contenu en gras. Okay. C'est la raison pourquoi que au niveau calorique, c'est pas élevé. C'est effectivement, c'est moins élevé que du porc, du bœuf ou du poulet au niveau calorique. Et là, ça fait 11 ans que vous êtes établi ici. Pourquoi, à la base, vous avez décidé d'élever le bison? Au départ, j'ai une formation comme agronome. J'ai toujours aimé ce qui était l'agriculture. À 5 ans, dans un livre, j'ai écrit « Je vais être fermier ». Donc, je sais pas, à 17 ans, c'est peut-être pas ça que j'avais en tête, là. Mais j'aimais les sciences appliquées. Je me suis retrouvé à l'université en faire l'agronomie. J'ai travaillé un peu dans le milieu ma PAC, entre autres. Puis j'avais l'intérêt pour me partir en affaires, puis je savais pas exactement que c'était pour être le bison, la finalité de tout ça. J'avais une amie qui faisait une maîtrise en mise en marché à cette époque-là, qui m'avait dit « Regarde dans le bison, le secteur ». Puis j'ai visité un élevage avec mon père, puis c'est de là que l'idée a germé. Puis qu'un an après, on a débuté l'élevage en 99, là. Vous êtes situé à Wakefield, sur un territoire absolument exceptionnel. Là. La vue est magnifique. Vous offrez maintenant une table champêtre, donc les gens peuvent venir manger la viande de bison chez vous. Ce qu'on offre, la table champêtre, la manière ça fonctionne, c'est sur réservation pour des groupes de 8 à 16 personnes. J'ai avec moi dans l'entreprise un associé qui, lui, a une formation comme chef, qui enseigne et tout. Donc, c'est lui qui cuisine, là. Elle est disponible sur notre site web. Toutes les infos sont disponibles au niveau des menus. Donc, on a diversifié parce que le bison, ça a beaucoup évolué. Quand on a débuté, on était 60 éleveurs au Québec. Il en reste à peine une vingtaine. Donc, ceux qui ont réussi à continuer, c'est ceux qui font leur propre mise en marché. Donc, nous, dans le fond, on est pratiquement été... On fait du champ à l'assiette, là. On fait pas juste la production, puis on vend les animaux, puis c'est envoyé. On fait tout vraiment les aspects, là. De la transformation. Donc, on fait nos saucisses, nos rouleaux impériaux, tout ça. Et ça se fait des rouleaux impériaux avec du bison? Oui, c'est... Pour ceux qui ont goûté, là, c'est un petit péché mignon, là, si on peut le dire. L'abattage est fait dans un abattoir provincial sous inspection avec un vétérinaire pour s'assurer que la viande soit exempte, que tout est correct et conforme selon les normes en cours. Et dans votre troupeau en ce moment, vous en avez combien? Là, actuellement, on a 15 femelles adultes.
avec un mâle. Donc, dépendamment de la période de l'année, ça oscille entre 30 et 45 têtes, selon les autres groupes d'âge des années précédentes. Là. Donc, vous avez la boutique directement sur la ferme? À la ferme, qui est ouverte les vendredis, samedi, dimanche. À l'année, on est ouvert les vendredis, samedi, dimanche, entre 10h30 et 4h30. On vend nos produits à travers différentes épiceries spécialisées. On a la boucannerie de Chelsea, les trappes à fromage. On a aussi IGA Montépaiement. On vend à travers aussi le marché de la Société régionale de l'Outaouais, dont on est membre comme producteur.